Pendant les derniers matchs de la Coupe du Monde dans lesquels jouait la France, la foule dans les rues de Paris criait à l'unisson « Allez les Bleus !» Les Bleus sont l'équipe de France, mais j'entends dans ce cri un autre sens possible. Comme aux États-Unis où on dit « blue collar », en France, le bleu est la couleur associée traditionnellement aux vêtements de la classe ouvrière. Et au XVIIIe siècle, la couleur associée aux armées révolutionnaires en lutte contre les partisans de l'ancien régime, en France comme à l'étranger. Dans ce spectacle des spectateurs, réunis à travers race, à travers la différence sexuelle et les divisions que la classe dominante utilise pour casser la solidarité entre les peuples, j'entends un désir refoulé d'une révolte massive et spontanée qui renverserait l'oligarchie qui règne à travers le monde au-dessus d'une inégalité sans pareil dans l'histoire. Si d'abord, suivant la thèse de Freud, a raison en disant que le but d'un rêve est de garder le rêveur endormi, comment puis-je, autant que cinéaste, réveiller le rêveur pour faire vivre son désir ?